Vivez l'événement footballistique de l'année, ce vendredi 5 juillet au stade du 5 juillet. Une finale inédite de la Coupe d'Algérie qui opposera deux géants du football algérien. Et c'est terminé, le Mouloudia d'Alger en finale de la Coupe d'Algérie. Le Mouloudia d'Alger qui veut remporter un doublé alors que le Chaab Riadi de Belouizdad Dead voudra sauver sa saison. Wamba qui va tirer, s'il marque, le CRB est en finale. Wamba et le CRB est en finale. Les tribunes vont vibrer alors que ces deux équipes historiques se battent pour la gloire. Qui soulèvera le 9e trophée et établira un record dans la compétition. Rendez-vous ce vendredi à 17h sur la chaîne 3. Ne manquez pas cette incroyable confrontation qui marquera l'année footballistique. Et surtout, faites du football, Mamar Djabour. On va parler d'athlétisme pour commencer. L'athlétisme avec le championnat d'Algérie. Deux informations à retenir. Oussama Khennoussi, du Chaab Riadi de Belouizdad, qui hier a remporté la médaille d'or, mais également qualifié, a composté son billet pour les Jeux Olympiques en compagnie d'Amin Bouanani sur 110 mètres. Et retour sur la journée d'hier, la troisième journée, ça se termine aujourd'hui avec Malik Louel. La troisième journée de compétition a été très riche en résultats et notamment en ce qui concerne les athlètes algériens encore en course pour une qualification aux Jeux Olympiques de Paris. C'est le cas de Oussama Khennoussi qui a remporté le concours du lancer de disque masculin avec une belle performance de 62,53 m, ce qui lui permet de consolider sa 30e place qualificative. Oussama Khennoussi justement qui nous parle de son nouveau titre national. اليوم حققت رقم جيد جيد اللي باش يخليني نتأهل للألعاب الأولمبية بجدارة الحمد لله هذا رقم قياسي للبطولة الوطنية. Amin Bouanani a également de son côté composté son billet qualificatif au JO de Paris en arrachant un quatrième titre national avec une performance de 13 secondes et 54 centièmes dans une course dominée de bout en bout sans trop de concurrence comme nous l'explique Amin Bouanani. Vraiment je suis satisfait malgré qu'il n'y a pas de concurrence, j'ai fait une belle course, c'est parmi les meilleurs chronos de cette année pour moi et ça me donne vraiment beaucoup de poids pour les Jeux Olympiques et normalement comme ça on est qualifié officiellement pour les Jeux Inch'Allah. Il y a eu également une très belle course sur 1500 mètres dames où il a fallu recourir à la photo finish pour départager la sociétaire du Mouloudia d'Alger Abir Fes de Ranier Zik du NC Bodj Bouaradij qui se sont partagé la performance de 4 minutes 18 secondes et 67 centièmes où il a fallu aller chercher vers les millièmes de seconde pour décerner la victoire finale à Abir Fes qui nous parle de son second titre national de cette saison. تلعب على الذهن اكثر منها على التكتيك لانه كانت معايا الخصم تاعي كانت لصقم وما كانتش تحب تطلع يعني انا جريت لا كورس كومبلي اليوم لكن كان عندي في الديبار كان عندي كونفيونس في نفسي وثقه اني نربح المنافسه نظرا للتوقيت اللي حققته هذه السنه في 1500 الحمد لله وان شاء الله. Par ailleurs, le concours du saut à la longueur masculin est revenu à Tarek Hossin du MC Alger avec 7,54 m. Et du côté de la hauteur dame, Hadil Rzig a enchaîné par un second titre national consécutif avec un saut à 1,80 m. La quatrième journée débutera en session matinale par les finales du 20 km marche ainsi que 15 autres finales en session de l'après-midi. Voilà donc pour le championnat d'Algérie Open d'athlétisme. Je rappelle, ça se termine aujourd'hui, vous l'avez entendu. La matinée, il y aura le 20 km marche, 4 finales. On va partir de 17h. On va passer au volleyball avec les volleyeuses du MBBJ qui ont remporté la Coupe d'Algérie Senior Dames saison 2023-2024. Elles ont battu leur homologue du RCBJ sur le score net et sans bavure de 3-7 à 0. Nassima Djaout.
Mechhel Beledit Béjaïa a remporté la Coupe d'Algérie en battant finale le Racing Club de Béjaïa 3-7 à 0, 25-15, 25-11, 25-19. L'équipe du MBB remporte ainsi pour la deuxième fois de son histoire le trophée face au même adversaire qu'elle avait battu en 2022. C'était toujours le Racing Club de Béjaïa. L'équipe du MBB a largement dominé son adversaire sur tous les compartiments de jeu alors que le Racing Club de Béjaïa, apparemment tétanisé par l'enjeu, n'a pas pu faire face au MBB. Sur cette consécration, on écoute l'attaquante réceptionneuse Wissem Dali. On est très contente, notre travail n'est pas parti dans le vent. On appréhendait un peu l'équipe parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué avec elle. Mais alhamdoulilah, je suis fière de nous. Mais on a pu gérer cette fois-ci, on avait un groupe soudé, on s'entendait entre nous, on s'encourageait entre nous. Et ce n'était pas dans le match, sinon d'habitude elle joue mieux, oui elle s'en met. Mais cette fois-ci, ce n'était pas dans le match. C'est l'expérience qui a fait la différence. On a su gérer. Samedi prochain, place au final du championnat. Ce sera la salle du 8 mai 45 de Sétif. Chez les dames, le Mouloudia d'Alger affrontera à 15h l'ASW Béjaïa. Alors que chez les messieurs, la finale du championnat opposera le Wydad de Tlemcen à l'ASW Blida à partir de 17h. On est en fin de saison, se déroulent les finales de la Coupe d'Algérie. Alors concernant le basketball, l'information est tombée. La finale mettant en prise le Wydad de Boufarik à l'USMA d'Alger, prévue le 12 juillet dans un premier temps à Djidjel, sera délocalisée et n'aura finalement pas lieu, ne va pas se dérouler à Djidjel. La Fédération algérienne de basketball cherche une salle pour programmer cette finale. Donc problème de salle pour la FAB. On va enchaîner également avec l'Euro, puisque rappelons qu'hier il y a eu deux matchs. La Suisse qui a battu l'Italie. Eh oui, l'Italie, grandeur et décadence pour les Italiens, champion d'Europe en titre. Les Italiens, ça a été une équipe sans âme qu'on a vue, sans imagination, sans idée, cette équipe italienne. Et c'est tout à fait logiquement que les Suisses, sont la Nati, s'est imposée 2-0. Quand vous regardez les confrontations, le palmarès des deux équipes, il n'y a pas photo. Mais hier, on a vu une belle équipe suisse qui a su dominer, se créer les meilleures occasions. D'ailleurs, sur la première mi-temps, vous prenez juste la première mi-temps, en termes de stats, zéro tir de la part des Italiens. Inexistant sur le terrain. Alors, c'est vrai qu'on est bien loin de l'Italie, des années 2000 ou des années 90. Il manque un leader dans cette équipe. Il manque des joueurs capables de porter, de hisser le niveau de cette équipe italienne. Il faut une réflexion profonde sur le football en Italie. De la Squadra Azzurra. Je rappelle que l'Italie ne s'est pas qualifiée aux deux dernières Coupes du Monde. Et on est dans la continuité sur cette élimination au premier tour. L'Allemagne a battu le Danemark avec Havertz qui a marqué sur penalty et Musiala qui a aggravé la marque de 2-0. Un match qui a été interrompu en raison de conditions climatiques dantesques. Ça, il faut le rappeler. Orage, pluie diluvienne. Donc le match s'est arrêté, il a pu reprendre. Et les Allemands se sont qualifiés. Alors, il faut savoir que aujourd'hui, il y aura l'Angleterre, également une équipe anglaise. Quand on regarde la qualité de cette équipe anglaise en termes sur les individualités composant l'Angleterre, eh bien, on est déçu sur le premier tour. Aujourd'hui, ils vont affronter la Slovaquie à 17h. L'objectif, bien évidemment, pour les Anglais, c'est de continuer d'aller en quart de finale. Une équipe qui a fait forte impression depuis le début du tournoi, c'est les Espagnols, avec un football pétillant, chatoyant, avec une force collective qui ressort, on la voit sur le terrain, on joue en équipe avec des individualités capables de faire la différence à n'importe quel moment. Alors l'Espagne va devoir confirmer devant la bonne surprise, parce que c'était une bonne surprise la Géorgie. La Géorgie qui participe pour la première fois de son histoire à une phase finale d'un euro, et qui dans le même temps, pour la première fois de son histoire, atteint ce stade de la compétition. Pour la Géorgie, mission accomplie, ça y est, ils ont atteint leur objectif, passé un tour. Et on l'a vu, rappelez-vous, cette équipe géorgienne, lors de son dernier match, eh bien, elle a su résister, elle a su faire front face à son adversaire et jouer sur des transitions qui ont fait la différence. Donc, la Géorgie affronte l'Espagne également, ça sera une superbe confrontation. À 20h. Ça sera à 20h. Je vais rester sur un élément. On va terminer avec... Alors, vous savez que aujourd'hui, le fonctionnement de nos clubs, nous avons le club sportif amateur et nous avons de l'autre côté ce qu'on appelle la société par action, le football. Puisque c'est comme ça, il n'y a pas d'équipe professionnelle sur les autres disciplines. Seul le football est professionnel.
sur ces dernières années, que ce soit à l'USMA d'Alger, que ce soit au Mouloudia d'Alger, où il y a eu de très gros problèmes, des tensions qui ont existé entre le CSA et l'actionnaire majoritaire, parce que c'est des équipes qui sont détenues par des entreprises publiques. Si vous vous souvenez, si vous étiez avec nous, vendredi, la question à M. Bira, le manager général de l'entente de ces types, disait « Oui, il est seul propriétaire. Or, le CSA détient les couleurs, détient le palmarès, et il doit garder au moins 2-3 actions. Il ne peut pas tout vendre. » Ça, c'est le premier point. Quand on apprend du côté de CETIF que les choses sont faites, c'est contraire à la loi. C'est également le cas pour la JS Kabylie, où le CSA reste présent. C'est la mémoire du club. Et pourquoi est-ce que les pouvoirs publics ont décidé ce fonctionnement? Les entreprises, le club professionnel finance à travers une convention, il y a un montant à peu près, c'est 2-3 milliards de centimes, permet de financer les autres disciplines. C'est le cas à l'USMA d'Alger, c'est le cas au Chebab Riadi de Belouizdad. Ça devrait être le cas également au Mouloudia d'Alger. Mais voilà qu'il y a des tensions entre l'actionnaire majoritaire et le club sportif amateur. Et du coup, vous vous retrouvez avec des athlètes en très grosse difficulté. Je vais prendre juste un exemple. Doit se dérouler le championnat d'Algérie pour les handicapés. Eh bien, paralympique. Oui. Pour les handicapés, donc, et pour le handisport. Et donc, à partir de là, je peux vous dire que jusqu'à hier, puisque j'ai eu la chance de rencontrer et d'être au stade, que les dirigeants, eh bien, ou les athlètes, sont en très grosse difficulté sur au quotidien, et que les dirigeants n'ont même pas les moyens d'effectuer un déplacement. Ça montre la tension qui existe et qui a existé ces dernières années. Alors, on espère que les choses vont évoluer de manière intelligente pour permettre l'existence des autres disciplines, qui, je le rappelle, et notamment sur des disciplines pourvoyeuses de médailles. Si je prends l'handisport, il y a des athlètes qui vont représenter l'Algérie aux Jeux Olympiques potentiellement médaillables. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et donc, tenir compte de la situation sociale des athlètes et faire en sorte qu'il y ait un fonctionnement intelligent entre le propriétaire et le club sportif amateur. Et tout cela peut se régler à travers une convention. Ça a été fait de manière intelligente sur certains clubs, sur d'autres, il y a des tensions en espérant qu'elles se règlent le plus rapidement possible. Merci, on espère que le message est passé. Merci, Mamadou Bourg. 7h29 sur Alger Chaîne 3.